qui vous inspire? Tout, on veut tout savoir en fait. Ok, officiellement la marque a été créée il y a 2 mois, mais ça fait quand même 3 ans que j'ai le projet. J'ai appris à coudre toute seule, confectionner mes tenues, les vêtements. Et avec la demande, je travaille bien avec d'autres tailleurs pour les standardiser. Ce qui m'inspire, c'est la femme africaine, le textile de la Guinée. Plein de tissus, tissés à la main, de l'indigo. Guinée-Conakry ou bien ça aussi, c'est pas de Guinée-Conakry. Guinée-Conakry. Même si c'est pareil, l'Afrique, c'est l'Afrique. Il y a un proverbe que mon père me dit souvent quand je n'ai pas bien ou sans gilet. Donc il dit par exemple, attache ton paille. Il me semble que les femmes africaines le connaissent. Attache ton paille, le matin quand on se lève très tôt, il faut attacher ton paille et apprendre la journée. Et à travers mes tenues, bah, j'ai fait des tenues pratiques pour se sentir à l'aise toute la journée, qu'on puisse les porter pour toutes les occasions et se supprimer en tant qu'africaine et en tant que parisienne aussi, être à l'aise dans ça. Bravo! Est-ce que vous avez un point de vente quelque part à Paris ou bien vous avez un site en fait? Donnez-nous l'adresse parce que elle fait quand même de belles choses et franchement je trouve que c'est magnifique. Et il faut encourager nos jeunes. Il faut l'encourager. Bravo. Et puis vous pas ma vie, je vous disais, ça fait 2 mois que la marque a été lancée. Je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Amakati Couture. Sur Facebook, Amakati, le site est en construction sur la feuille de fin route. Pour le nom Ama, c'est mon prénom et Katty, c'est le nom de ma mère. Bravo, bravo. Charge.